Cet après-midi, une équipe des sapeurs-pompiers des Yvelines est partie pour le 18e tour cycliste du Burkina Faso. Parmi les 6 sapeurs-pompiers, vous le voyez, qui participeront du 27 octobre au 7 novembre à cette compétition, 4 sont originaires de notre secteur, plus précisément de Plaisir, Montigny et Guyancourt. Au total, ce sont 16 équipes originaires d'Europe, du Japon et d'Afrique qui tenteront de boucler les 1 240,5 km répartis en 11 étapes. L'an dernier, le meilleur français avait terminé second en un peu plus de 30 heures. 11 minutes. Nous vous tiendrons bien sûr régulièrement informés des résultats des Yvelinois dans nos prochaines éditions. On prépare les vélos, on prépare tout, après on va discuter exactement qu'on fasse ce qu'il faut faire. Là on essaie de prévoir tous les petits problèmes qu'on risque d'avoir. Non, non, c'est bon, là ça va bien. Ça va bien. Malgré la chaleur, c'est ça qui fait la beauté du cyclisme. Le sport le plus beau pour moi, c'est le cyclisme. Puisque c'est le seul sport qui va à la rencontre des spectateurs et non le contraire. Nous vous en parlions lundi, une équipe de pompiers des Yvelines, dont des Saint-Quentinois, participe actuellement au premier tour du Burkina Faso. Lors de ce premier jour de course, le ravitaillement a peiné à s'organiser et le plaisirois Thierry Bubeau, échappé du peloton, a dû parcourir 60 km par 40 degrés sans soutien logistique. Au final, les Yvelinois ont passé la ligne d'arrivée groupés dans le peloton, sans retard significatif. Vous pouvez suivre leur évolution. Si c'est au même endroit qu'hier, ça va être dans le même sens.
ça va être en montée. Parce que la dernière fois, c'était en descente, justement. C'est là où il y a eu la chute. Nous avons monsieur le maire. Absolument. Pardonnez de la troisième étape, indication Morodara, longue de 96 km 500. Le 141, 141, marche beaucoup comme ça, et le 154, 154, carrément. Demain, toi et Johan, si vous n'êtes pas devant, vous courez mal, très mal. C'est vous deux devant, normalement. Vous avez la moelle, hein. Moi je ne pouvais plus après. Nous on a fait les 60 premiers kilomètres, on n'a pas arrêté. Vous ne pouvez plus, hein. Nous on a fait les 60 premiers kilomètres. Jérémy, il faut gérer autrement. Vas-y, n'hésite pas à y aller. N'hésitez pas. On l'a bloqué à bloc, en haut, c'est l'Indienne, la bordure tout le temps. Et ça s'est pas fait, après ça a ralenti, on s'est fait rentrer. Alors tu sais, quand t'as galéré pendant un quart d'heure comme ça et que tu vois que ça marche pas... Ça c'est une belle arrivée là. Par rapport aux Africains, quand ils voient un Sénégalais devant, ils reviennent, ils sont... Nous on était deux, on est partis ensemble. Ils vous courent dessus? Tu sais là... On a roulé à deux là, c'était deux, le 42. Non, c'est un imbécile, c'est un néophyte, il vient dans le tour et il se permet d'être impoli avec les gens. Ça fait la troisième fois, on essaie de travailler en équipe, chaque fois qu'on fait un travail, lui il ramène derrière. Toute la course, il la passe derrière, à 5 km de l'arrivée, il passe toujours devant, il fout tout en l'air. Ça fait la troisième fois que je lui parle. Je lui parle calmement, il se permet de m'insulter. Je ne lui permets pas. Je ne lui permettrai pas. Ça va? Ouais. C'était dur? Non, c'est mieux, de mieux en mieux là. De mieux en mieux? Ouais. Vous vous sentez bien aujourd'hui? Dommage qu'il y ait eu la chute. Vous êtes tiré? J'ai vu Thierry devant moi. Non plus, le match c'est au passage de la frontière. Ça bordurait, il y avait une espèce de trottoir caché. Je suis passé par-dessus. Il y a eu du gravier avant. Merci.